Ok les potes, c'est Gaëlou Pache, j'espère que vous allez bien les potes, hein. Vraiment, hein. Écoutez, nouveau vlog aujourd'hui, oui j'ai repris les vlogs, ça fait longtemps et en fait le truc c'est que voilà, cette semaine on va faire un weekly vlog, ce vlog commence à mercredi, parce que hier j'avais rien à filmer, avant-hier non plus, j'avais rien à filmer d'intéressant, changement radical aujourd'hui, changement radical, quand je dis radical, radical, vous voyez mes cheveux là? Ils sont noirs, hein. Ils sont bien. Oui, ouais, ils sont noirs, ils sont noirs. Voilà, tout à l'heure, on va voir ça. On va changer tout ça, les potes. Changement radical, je vous ai dit aujourd'hui. Voilà. Du coup, les potes, je vous emmène avec moi pour cette nouvelle semaine. Voilà, un nouveau vlog. Ça reprend enfin. Prochaine week qui arrive à la fin du mois, les potes. Ça va être cool, avec vous. Ça va être très très cool. Les potes, c'est parti. Alors, on y va. Donc, aujourd'hui, on est du coup chez Elodie Huston, donc coloriste. Et genre, c'est rue de Turenne. Et franchement, elle coiffe beaucoup Hera Pradel. Bah une de mes meilleures potes. Du coup on va y aller les potes. J'avoue j'ai un peu peur là. Enfin, on touche à la fin là. Enfin. Ça me piquait les cheveux mon gars. Ça me piquait de malade. Faute de ouf. Par contre, les sièges, ils massent. C'est cool. Hein. Merci. Merci Elodie. C'est génial. Génial, génial. Et les potes, on sort tout juste du coiffeur et franchement je suis archi content de la couleur. Genre je suis vraiment trop content. Et je trouve que ça me va assez bien en fait. J'avais vraiment peur au début de me faire une couleur comme ça, genre passer du noir au blanc. Ça passe vraiment bien, je trouve avec mon look et tout. Ça passe archi bien. Ok les potes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, nouvelle journée aujourd'hui. Hier, j'ai pas snappé, enfin j'ai pas vlogué après. J'ai descendu du roi hier. J'ai bossé un peu, après je suis rentré et j'étais épuisé, du coup j'ai pas vlogué. Après il se passait rien d'intéressant à mettre dans le vlog dans tous les cas. Donc là on est jeudi, donc aujourd'hui je bossais parce que j'ai pas mal de choses à faire, des vidéos à monter et tout ça. J'ai reçu une paire de baskets assez cool, vraiment très cool de la part de The New Co. We The New. C'est une plateforme de sneakers hype et tout ça. Et ils m'ont envoyé une petite paire plutôt sympathique. Donc vous avez sûrement vu dans ma vidéo de dimanche. Donc du coup, je prépare. Enfin, avec Sarah, on prépare. On va aller à Paris. Et la journée va commencer juste après ça, les potes. Du coup, je vous dis à tout à l'heure. C'est l'heure de manger les potes. Je prends ma trottinette, casque, n'oublie pas, surtout les gants. Aujourd'hui il fait archi froid. Dans Paris, je répète parce que c'est important les potes, dans Paris je vois à balle de jeunes avec des trottinettes électriques les potes, comme si c'était un jeu, ils sont là comme ça sur la route, même parfois parmi vous ça se trouve, voilà. Sans casque, sans gants, sans rien du tout, des fois vous êtes à deux sur la même trottinette, sachez que c'est n'importe quoi, donc arrêtez vos conneries. Mettez un casque parce que le jour, et surtout respectez les feux, hein, d'accord, comme tout le monde, comme les vélos, non, comme les vélos, comme les voitures, et les vélos c'est les premiers à faire des conneries, concrètement ils font que de la merde. Bref, c'est motorisé, ça va à 25-30 km/h, c'est pas un jouet. Donc si tu te gamelles sur la route à 30 km/h, je peux te dire que tu morfes ta race, donc faites attention, c'est important. Thank you.
Bonjour Hello World. Moi tout bon ici prêt. Ah. Merci. Il est jaune. T'es mal et il est jaune. T'es un petit poulet. J'aime bien son bonnet hein. Je vais le garder je crois. Mais si, ça gâte. Parce qu'il y a une étiquette suprême là. On va me garder le temps que toi t'as gardé le chargeur. Dis la vérité, dis la vérité. J'ai jamais... Cette meuf, en soirée, elle avait plus de batterie. Je l'ai prêté ça là. Une batterie rechargeable portable, vous savez. J'étais en panique et tout, je sais putain je l'ai perdu, ça fait deux fois qu'on me l'envoie. Je l'ai perdu encore une fois, putain je vais devoir la racheter de ma poche. Et là, elle fait une story. Dans la story je vois quoi? Je vois, mais au calme, elle avait une portable avec ça qui passait en dessous. Je sais mais meuf, t'as ma batterie depuis combien de temps? T'as gardé la batterie au moins 3 mois je crois. On est en train de Paris à l'instant et là on s'apprête en fait à aller au cinéma. Donc on va au cinéma tranquille pour voir Creed 2. Allez, à tout à l'heure. Du coup les potes, voilà, on vient rentrer du cinéma à l'instant. Donc le film était vraiment vraiment cool. Si vous n'avez pas vu le Creed 1, allez le voir. Ou regardez-le en streaming sur le net. Et voilà. Mais sinon franchement, allez, vraiment foncez le voir. Parce que le Creed 2, il est énervé. Franchement, il est vraiment... énervé, il est archi bien. Donc voilà, j'ai passé vraiment un bon moment, là c'était vraiment cool. Les potes, demain avec Sarah on part à Paris. Demain elle est en repos, mais du coup on va en profiter parce que j'ai des choses à shooter pour Instagram. Si t'es pas encore sur Instagram, bah juste tu auras plein de choses. Donc juste, t'as juste un truc à faire, tu peux foncer tout de suite me photo sur Instagram. Il n'y a pas de problème, vraiment tu peux le faire, t'inquiète pas que tu ne seras pas déçu. Et je vous dis à demain, salut. Ok les potes, on se retrouve maintenant, donc nous sommes le lendemain. Pour nous, pour vous c'est tout de suite, enfin t'es en 2-2 quoi, enfin, t'as compris. Je veux m'acheter le Sony A7 S2. Ça fait longtemps que je le vois, que j'en ai envie. Je vais vous montrer après hein, quand on sera au chaud parce que là il pleut. On y va. Bon, du coup les potes, vous avez vu, hein, tout s'est bien passé pour l'appareil photo. Du coup je l'aurai demain parce qu'il manque un chèque à donner. Donc voilà, là on va à Fripstar. On est à Saint-Paul là. On va trouver des vêtements en fripe pour voir faire des tenues et tout. C'est pas mal du tout, on y est juste là. Il y a grave des bonnes affaires des fois et franchement après faut chercher un peu, mais ça vaut grave le coup. Donc si vous n'êtes pas trop fripe, venez voir un Fripstar dans le Marais, c'est pas mal. Tout le bac là il y a 1€. Après faut fouiller hein. Mais genre là il y a une veste en velours côtelé. D'ailleurs c'est marqué 1€. Et faut fouiller avec un trip pour pas du tout avoir la flemme. Pas venir habiller trop chaudement parce que t'as vite très chaud en fouillant. Donc oh. Une petite veste Lacoste à 20€. Ouais. Veste Lacoste. D'après est-ce que c'est un vrai? Ouais, je suis jeune. Par contre, les potes, regardez cette petite veste. Regardez ça. Une belle veste. Franchement. Elle est bien molletonnée. Dedans, c'est. En matière, vous savez, en polaire, en pull de papy, là. Vous savez, là. Putain, les poches plaquées sur le torse. Les poches cavalières, comme ça. Comme ça. 20€. 20€. En plus, il y a une capuche. Moi, je vais pas prendre ça, j'ai déjà plein de manteaux, mais voilà. Pour vous dire qu'en fripe, des fois, on trouve des trucs... m'a traîné chez Another Story, frère. Y'a rien pour les mecs, ici. Avec la caméra, j'ai les lèvres archi blanches. On me dit, il n'y a pas mis crème. Problème de noir, ça. Hashtag problème de noir, vraiment. Si t'es un Renoir, tu regardes la vidéo, mon gars, ma pote, mets en commentaire. Problème de noir. Les noirs et la crème, une histoire d'amour. J'habite 14 milliards. Ah, si, si. Les potes, on se retrouve maintenant. Alors là, on est en train de shooter. On fait quelques looks là pour Instagram. Il est 13h23, on n'a pas encore mangé, donc on va finir ça, on va aller manger après. Et voilà, c'est parti. Ok les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, donc je suis désolé. Enfin non, pourquoi je dis je suis désolé? Je suis pas désolé. La journée hier s'est terminée très vite. Voilà, on a fait
2-3 trucs, on sait pas, après on n'a pas fait grand chose. Ouais, donc on est rentré avec Sarah hyper tôt à la maison parce que on n'avait pas grand chose à faire à Paris. On a shooté comme vous avez vu. Aujourd'hui les potes, on est samedi et aujourd'hui c'est le tournage avec ma mère, donc oui, la maman Gaëlouba revient dans les vidéos parce que voilà, ça faisait longtemps. Du coup c'est déjà sorti quand vous voyez ce vlog. Au fait, si le vlog pour l'instant jusqu'à maintenant vous plaît ou quoi, vous pouvez déjà mettre un pouce bleu hein. Tiens, c'est important. Soutenez la chaîne, donc voilà, likez la vidéo direct, voilà. Et du coup, continue le vlog. C'est parti les potes. Je suis déjà de retour. En fait, je voulais vous montrer ça aussi parce que voilà, j'ai deux montures. Je me regarde un peu dans le retour, désolé. J'ai deux montures en fait de nouvelles lunettes parce que voilà, j'ai celles que vous voyez d'habitude là maintenant. Elles sont un peu teintées, vous savez. Et en fait, j'ai aussi celle-ci que j'aime énormément et ça change beaucoup et j'en suis très fan. Très fan, voilà. Ouais. Non, il y a un vrai changement. Franchement, cette année, c'est l'année du changement, mon gars. Entre la coiffure et les montures. Là c'est vraiment l'année du changement. Et Waiting for the Sun en fait c'est une marque éco-responsable. Donc les lunettes sont faites recyclées sans acétate, sans pétrole. Donc en gros c'est que du recyclage pour faire des montures très très stylées. Donc déjà les montures sont stylées et en plus c'est écologique à produire et à faire. Une entreprise parisienne, made in France, éco-responsable. En plus, du coup, on fait bosser les Français et ça c'est important. Allez les follow sur Instagram, ça ne coûte rien, c'est gratuit. L'Instagram, c'est Waiting for the Sun. Les potes, on se retrouve maintenant. Donc là, j'ai mis en place pour la vidéo que je fais avec ma mère. J'ai mis mon grand bureau. Là, il y aura des paires. Mon PC pour avoir mon retour écran parce que si vous voulez, sur mon Canon 5D Mark III, il n'y a pas de retour écran. Et vu que j'utilise un 50 mm 1.4, 50 mm dans une chambre entre le mur et là, ça zoome beaucoup, ce qui fait que du coup il faut beaucoup de recul. Donc je suis à 1m50, 2m presque de la caméra. Puis voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'envers du décor de mes vidéos. Allez, à tout à l'heure. C'est de la chaussure. Bon du coup les potes, on a fini la vidéo. Encore une fois, si vous n'avez pas vu, je l'avais mis en barre d'infos ou sur le petit i qui est juste là. Sarah vient de rentrer du travail. Oui. Et vraiment bonsoir parce que c'est le soir. Voilà, il est genre bientôt, il est quasiment 22h tout juste. Pour moi j'étais pas à Paris, j'étais à la maison. Elle a été me prendre mon petit Sony A7S2. Parce que moi je suis sympa. Non, parce que juste je l'ai payé et comme elle était à Paris, j'allais le prendre et tout. Je suis trop content. Ce Sony, j'ai tellement espéré l'avoir un jour. Enfin, putain, qu'est-ce qu'il est beau ce boîtier. On va unboxer ça tranquillement et je vais commencer le montage de la vidéo parce qu'elle sort demain. On se retrouve demain. S'il y a des choses à vlogger, je vloguerai. Putain, voilà, la fatigue. Et je vous dis à demain. Bye. Ok les potes, c'est Gaëlouba, si vous allez bien, pour t'écouter, nous sommes le lundi, j'étais au BHV, derrière là, parce qu'il me fallait des sangles pour ma trottinette, pour l'attacher quand je suis dans le métro et tout ça, c'est pas intéressant, on s'en bat les couilles en fait. Aujourd'hui les potes, on va avoir un gros programme, là faut que j'aille à Bastille pour voir mon Sony, puisque en fait j'ai eu une bague d'adaptation pour les objectifs Canon, donc les objectifs Canon sur le Sony, grâce à la bague, marche très bien en photo il marche très bien. Pour la vidéo, ça marche pas du tout. Donc du coup, je vais devoir aller voir ça. Je vois si je dois changer d'objectif. Il faut que je me pose pour bosser pour la vidéo dimanche. Alors, je me fais tatouer tout à l'heure. La journée commence. On y va. Ok les potes, du coup, on se retrouve maintenant. Donc pour l'objectif, j'ai été voir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être que en fait, c'est le firmware, donc la version de logiciel du boîtier qui est pas à jour. Donc c'est possible que ce soit à cause de ça. Et là, du coup, je suis très sombre. Calmez-vous. Et donc là, je suis chez Tom Greyhound, en fait, la boutique dont je vous parle tout le temps sur Instagram et là où ils vendent du Aterrera aussi. C'est une boutique de malade mental. Si vous voulez vraiment venir, venez. Il y a beaucoup de chouettes vêtements. La déco est trop belle. J'ai juste envie de venir et de poser, faire des shootings ici.
revenu ici à Cherfraîche du coup. Là on y est et on va partir au shooting, au tournage d'une interview avec Courir. Magasin Courir sera sur Instagram et tout ça, vous verrez des petites previews en vlog. Ça va être très cool. Du coup les potes, c'est parti, on y va. Tournage terminé. J'ai pas mal bafouillé quand même, je l'avoue. Voilà, après c'est pas évident hein. Quand c'est filmé, il y a des gens qui te regardent et tout. C'est pas très simple. Parce que je t'avoue que quand il y a un truc comme ça avec une marque, il y a l'ingé son, caméraman, la fille qui pose des questions, il y a d'autres personnes qui accompagnent. Donc du coup, tout le monde te regarde comme ça avec des gros yeux en mode. Wiggle. Du coup, c'est pas évident. Mais bon, on fait comme on peut. C'était pareil pour Footlocker. Hein. Footlocker, on avait fait une grosse vidéo aussi. Et ça avait pris un peu de temps parce que forcément, bah, y a un peu de bafouillage. C'est normal. Hein. C'est du direct. C'est pas comme si je suis dans ma chambre à faire des vidéos YouTube. Là, je bafouille la vidéo, je la coupe, tu vois. Et là, les gens, ils voient mes bafouillages. Donc, c'est pas pareil. On a vite très chaud. Voilà. Donc là, les potes, bah, écoutez, 18h pile. Je me dirige dans 4ème. Je vais faire tatouer. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Du coup, les potes, c'est parti. On y va. Ok les potes, on se retrouve, nous sommes le lendemain d'hier. What? What the fuck? On vient de sortir de la boutique Atelier Image Service où j'ai acheté mon Sony A7S2. Comme je vous disais hier, il y avait un petit problème avec l'objectif. Et que là, j'ai dû leur laisser la bague qui était compatible avec mes objectifs Canon pour pouvoir prendre un objectif Sony, donc APS-C. Et ce soir, on a deux défilés. Enfin, moi j'ai deux défilés, donc Sarah m'accompagne à un défilé. Et après, j'ai Puma. Ça va être vraiment pas mal, je pense. Et vous verrez les images, hein. Ça va être cool. Là je suis à Lille, parce que là je fais une vidéo avec Titia.